Bienvenue à l'émission. D'abord, Pierre-Carl Péladeau, président et chef de la direction de Québécois Incorporé, était de passage dans la région. C'est que lundi, il donnait une conférence pour la Chambre de commerce du Grand Châteauguay à Saint-Isidore, au restaurant Au Fin Palais. Et puis, il venait un peu parler de l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship au Québec, s'investir dans le Québec de demain. Et j'en ai donc profité pour lui poser quelques questions. Donc, voici mon entretien avec Pierre-Carl Péladeau. Alors, votre conférence porte sur l'entrepreneurship qui est un peu en perte de vitesse, avec un coup de barre doit s'imposer au Québec pour rester compétitif. Est-ce que c'est la même chose pour les médias? Est-ce qu'on peut parler d'une perte de vitesse, perte de revenus? Est-ce que les Québécois s'intéressent-ils toujours aux médias traditionnels? Ah, c'est certain qu'il y a eu énormément de perturbations dans le domaine des médias. Justement, le fait que nous puissions bénéficier de grandes technologies, en tout particulièrement dans le domaine de l'Internet, est venu chambouler, est venu perturber de façon significative l'économie des médias conventionnels, donc particulièrement de la presse écrite. Nous le constatons de plus en plus. Et la jeune génération est absente de la presse écrite, s'informe, se divertit différemment. Et on suit un petit peu dans une trame démographique un déclin de la presse écrite. Maintenant, ce qui est important, parce que, à ma connaissance, il n'y a aucun autre média que celui, justement, de la presse écrite. Il y en a d'autres, mais c'est celui qui a le plus grand nombre d'effectifs pour la cueillette de l'information. Donc, pour informer les citoyens, pour participer à la démocratie, ça prend aussi, entre guillemets, excusez-moi l'expression, des bras, ça prend aussi des hommes et des femmes qui vont aller à la recherche de l'information, à la cueillette et qui, par la suite, vont être en mesure de la distribuer. Donc, avons-nous de nouveaux canaux de distribution? C'est indéniable. Avons-nous une nouvelle économie concernant les hypothèses économiques qui sont sous-jacentes à ces nouveaux canaux de distribution? Là aussi, c'est indéniable. On vit dans une multiplication de canaux de distribution. Ça a eu un effet, je dirais, de compression de notre capacité de générer des revenus pour les médias conventionnels. Donc, c'est tout ce nouvel environnement, nouvelle façon de parler, ça fait quand même, bon, une dizaine d'années qu'il est implanté. Ça s'est accéléré peut-être depuis les dernières années. Ce n'est pas un phénomène local, c'est un phénomène occidental. Donc, c'est vrai pour les États-Unis, mais c'est vrai pour l'Europe. Je constatais la semaine dernière encore la fermeture quand même d'un grand journal, tu sais, le Financial Times, version de l'Allemagne, le Deutschland, qui était elle-même cette publication propriété d'un très grand groupe de presse qui s'appelle Gruner & Jahr. Donc, tout ça nous oblige les entreprises dans le domaine des médias de repenser leur modèle d'affaires, de revoir leur façon de faire, d'adapter les technologies, parce que ça peut être aussi un tremplin plutôt que purement une menace, pour justement s'assurer de sa pérennité, de sa viabilité dans les années qui viennent. Maintenant, les abonnés Vidéotron ont le privilège d'avoir accès à une vitrine locale par le biais de télévision communautaire partenaire. Quelle est votre vision du mandat de cette télévision-là et l'importance pour votre entreprise de continuer à offrir le service à vos clients? Écoutez, nous avons toujours cru à la télévision communautaire. C'est clair aussi en même temps que lorsque nous avons fait l'acquisition de Vidéotron, la télévision communautaire au Québec était déjà bien installée. En même temps, je pense, depuis les dernières années, nous avons participé à l'amélioration de la qualité, à un plus grand professionnalisme, des moyens aussi qui leur permettent d'atteindre ces objectifs-là et aussi donc une capacité de distribution encore plus importante qui, parce que là aussi, sont peu nombreux dans les médias qui sont en mesure de procurer une information locale, bien qu'on puisse justement pourvoir à ses besoins, parce que pour la collectivité, c'est extrêmement important. Merci bien. Je vous en prie.